tout le monde. Voilà, je vous retrouve pour une petite exclue là que personne met, je vois. Donc, je vais vous faire un véhicule spécial. Donc, j'ai mon ami, il va me donner un véhicule spécial et je vais faire une petite manip pour vraiment le sauvegarder. Donc, celui qui a pas le véhicule spécial, mais par contre, il vous faudra l'entrepôt pour qu'elle se gare, bien sûr. Il faudra faire la même manip que donner un véhicule à un ami. Et il y aura une petite manipulation à la suite pour pouvoir bien la sauvegarder. Voilà, donc parce que votre mock va dire que vous n'avez pas de véhicule, il va falloir un peu insister, vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc j'espère que vous allez mettre un petit pouce, vous allez partager et vous allez en profiter. Donc les véhicules spéciaux, c'est facile, 20 millions d'économies et un peu tout le monde les a. Donc c'est mieux que les véhicules modés, là. Donc là, je vais appeler mon camion, je vais mettre la RH8 dans le camion. Donc là, vous voyez, il va me donner une roquette voltique. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de balise dessus pour moi, c'est la sienne. J'appelle mon camion, je vais le mettre la RH8 dedans. Et on va faire ça en une seule manip. Donc là, si vous vous débrouillez bien, vous avez zéro raté. Je voulais vous dire, pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir le pavé tactile quand ils font le glitch. Vous savez, à un moment, pour sortir du véhicule, il faut ouvrir le pavé tactile. Ceux qui n'arrivent pas, j'ai une technique pour vous débugger. Donc vous allez éteindre la console, bien que tout s'éteigne, d'accord? Une fois que vous allez la rallumer, vous allez rester appuyé sur le bouton du haut, d'accord? Votre console va faire un bip. Dès que vous avez fait le bip, vous lâchez le bouton. Il faudra que votre console soit branchée à la manette, d'accord, avec le câble. Et vous allez suivre les étapes. Et vous allez faire le choix numéro 5. Donc le choix numéro 5 va vous nettoyer tout ce qui est pas bien dans votre console. Sans rien effacer, vous inquiétez pas. Elle va enlever les parasites. Vous refaites le glitch et vous aurez le menu. Et vous pourrez sortir de votre véhicule et faire le glitch. Donc ça pourra marcher pour pas mal de choses. Tout ce qui est glitch, tout ce qui est bug et tout, ça va bien vous débugger votre console et vous serez comme tout le monde. Vous pourrez faire comme tout le monde, les glitches en temps et en heure. Donc pensez à cette petite manip, parlez-en un peu à tout le monde. Parce que moi déjà, ça a servi à 4 ou 5 joueurs qui n'arrivaient pas à dupliquer parce qu'ils n'ouvraient pas le menu pour sortir du véhicule. Donc ils restaient buggés, il n'y avait rien de, il n'y avait pas de solution pour ça. Donc là, il faudra venir absolument à cet endroit-là. Donc ça ne marchera pas ailleurs. C'est l'after patch, c'est ça. C'est venir sous le pont. Voilà. Donc le glitch a été patché. Il marchera que ici comme ça. Donc pour faire ce glitch, il faudra un ami, un camion. Donc le module 3, pareil, toujours un garage. Acquis. Donc là, je sors la RH8. La manip est beaucoup plus simple que les glitches qu'on faisait avant parce qu'on dirait que tout est débugué. Donc vous réussirez à tous les coups. Faudra changer de session à chaque duplication, c'est très important. Session pour ami à chaque duplication. Et ça sera pas celui qui récupère les véhicules qui créera la session. Donc il faudra que ça soit votre ami qui fasse la session pour ami et vous le rejoignez. Comme ça, si vous êtes sûr que ça marche à tous les coups, et de pas vous bugger la console pour rien. Voilà. Donc, suivez ces étapes. Là, mon ami est en train de lancer une mission Titan ou une mission de Rockstar, créée par Rockstar. Une fois qu'il est dans la mission, moi, je vais le rejoindre, rejoindre session, et je vais rester sur le premier message. Dès que j'ai le premier message, je dis, j'ai le premier message, mon ami va quitter cette mission et il va remonter dans mon véhicule. Une fois qu'il est dans mon véhicule, il faudra qu'il se mette en PDG et qu'il lance dans le pavé tactile, qu'il lance une mission gros bonnet. Donc moi je conseille l'avant, la troisième à partir du bas. D'accord? Après, peu importe, la plupart des missions vont fonctionner. Il faudra pas que ça vous éjecte du véhicule. Donc une fois qu'il a créé cette mission, il va me dire c'est bon, j'ai créé la mission, donc elle est bien installée, hein, il va attendre
5-10 secondes quand même, que la mission soit bien enclenchée, que ça soit bien tout pris en compte. Une fois qu'il aura créé cette mission, moi, pour me débugger, je vais faire 3 fois flèche de droite, 4 fois environ X. Bon, assez régulièrement, juste de valider les deux messages. Jusqu'à temps qu'ils disent, ouais, la session, elle est vide, nanana. Vous acceptez tout assez rapidement. Il vous faudra pas apparaître dans les nuages. Si vous apparaissez dans les nuages, vous pouvez arrêter là, changer de session. Ça arrive, des fois ça bug. Donc il vous faudra apparaître comme moi. Vous verrez, juste après ce message-là, il faudra apparaître directement sur le véhicule. Ça voudra dire que vous êtes bien bugué. Donc comme je vous dis, 3 fois flèche de droite, XXXX. Hop, ça va vous mettre à votre véhicule. Voilà, pam. Vous voyez, ça va accepter les messages à votre véhicule. Vous ouvrez votre pavé tactile, votre menu. Triangle. Vous allez jusqu'à votre véhicule avec le pavé tactile, le menu. Et quand vous rentrez, vous l'enlevez. Pendant que vous rentrez, vous enlevez ce menu et vous allez être directement éjecté dans le camion. Donc cette manipulation va marcher pour tous les véhicules qui rentreront dans votre garage et les véhicules spéciaux, bien sûr. Certains aussi, certains véhicules de mission, de livraison, tout ça entre le PDG et le motard. Vous pouvez faire des petits tests, vous amuser. Donc certains véhicules, vous arriverez à les garder. Vous garderez pas l'insurgent, vous garderez pas le marshal, vous garderez pas quelques véhicules quoi. Vous garderez pas le char, vous garderez pas la voiture de police. Il y a plusieurs véhicules blacklistés, donc vous pourrez pas les avoir. Alors une fois que vous avez fini ce glitch, vous allez sortir du véhicule, du mock, du camion. Vous allez partir avec votre pote assez éloigné avec le menu, vous voyez? Demande de véhicule personnel. Donc là, je suis trop près, il va falloir que je m'éloigne. Pam, là, il va me le proposer. Bim, là, je demande mon véhicule personnel. Je dis à mon ami stop. Je vais aller récupérer mon véhicule personnel qui est la Rocket Volchic. Et c'est là que la manipulation pour bien sauvegarder va se faire. Donc vous voyez là, j'ai la Rocket Volchic balisée. Elle est à moi. Donc surtout, faites pas comme moi. Moi, j'ai fail dans la vidéo. J'avais pas mon entrepôt de véhicules. Donc vous verrez pas qu'au bout de 2 fois, quand je vais dans mon pavé tactile, dans le véhicule spéciaux, au bout de 2 fois, il me le propose. Il me dit, allez, dans 2 minutes, vous pourrez avoir une livraison. Donc il me dira plus, vous devez l'acheter. Vous pouvez faire ça pour tous les véhicules spéciaux. D'accord? Donc là, mon ami, il me l'a full custom. Il y en a pour 4 millions ou un truc comme ça pour ce véhicule. Donc vous savez bien que la Runner aussi, elle coûte dans les 6 millions. Moi, je suis level 11. J'ai fait aucune livraison de véhicule, rien du tout. Donc profitez-en. Faites-vous les véhicules spéciaux. Faites-vous les véhicules modés. Faites-vous les véhicules tout court. Tout ce qui rentre dans un garage. Les motos. Donc là, j'ai pété la Rocket Volchic, comme vous pouvez voir, et je m'en vais en mode histoire. Donc après là, le glitch avec votre ami, c'est bon, vous n'avez plus besoin spécialement de votre ami. Moi, je le rejoins comme ça pour être dans sa session. Je sais qu'il est seul, donc on l'a fait sur session pour ami, pour être tranquille. Et maintenant, il va falloir faire péter encore une fois, au moins une fois, votre véhicule. Donc là, il me faut retourner en mode online. Je vais repéter la Rocket Volchic, retourner en mode histoire. Et quand je retournerai en online, vous aurez un chronomètre dans le pavé tactile au niveau des véhicules spéciaux sur la Rocket Volchic. Donc vous pourrez faire appel de la Rocket Volchic. Vu qu'on a explosé, ben vous devrez attendre dans les 2-3 minutes. Vous faites apparaître votre Rocket Volchic, vous êtes tranquille, vous pouvez passer à un autre. Donc ce glitch, il réussit à 90%. Donc profitez-en. Hein. Il risque d'être patché lundi ou mardi. Profitez-en les gars. Donnez-vous des véhicules. Soyez solidaires. Proposez des véhicules. Ou j'aurai un peu pauvre. Donc vous voyez, moi j'ai mes amis, je suis level 11, j'ai un peu tout dans mon garage. Ben, ça fait super plaisir, quoi.
Le jour où j'aurai besoin, ils auront besoin de moi, je serai là de suite. Donc là, pareil, je sors avec le menu. Là, vous voyez, il va pas le repérer, le véhicule. Il va me dire, il n'y a personne, il n'y a rien dans le... Il n'y a pas de véhicule personnel. Vous faites appeler le camion mobile. Vous attendez. Il va falloir attendre 2-3 minutes. Donc, au bout de 2-3 minutes, il y aura possibilité de le faire revenir. Et ensuite, il me faudra encore le réexploser. Donc, ce glitch est très facile. Donc, il y a beaucoup qui aimeraient avoir ces véhicules. Achetez-vous l'entrepôt qui est pas donné. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'argent pour le camion, vous n'avez pas d'excuses. Moi, je vous dis qu'en 2 heures, vous faites des braquages avec une petite équipe là. Vous trouvez des gars qui ont fait les préparations, qui font les braquages en illimité. Vous les écoutez, vous faites comme dans la vidéo que je vous ai envoyée avec l'élite. Donc, si vous mettez 70%, vous pouvez gagner 970 000 dollars en 15 minutes. Donc, voilà, même si vous gagnez 400 ou 500 000, ça peut aller vite. Donc, vous faites les braquages, vous achetez le bunker, vous achetez le PDG, vous achetez le camion. Voilà, vous faites avec une équipe de 4. Vous pouvez faire le glitch en 2 heures. Voilà, en 2 heures, vous êtes tous en train de faire le glitch, de vous donner des véhicules. Ben, c'est pas mal, non? Vous faire avoir une full custom Eligi pour quand vous avez des glitches, vous mettez votre Eligi de côté à 950 000 dollars. Voilà. Donc moi, je suis une level 11, j'ai tout dans mon garage. Voilà. Je vous le dis, j'ai la custom rétro full, j'ai une Rocket Volchic maintenant, j'ai des véhicules modés. Voilà, je me suis un peu bougé, j'ai 20 millions, je crois, un truc comme ça, 15 millions. J'ai un peu joué, mais là, ces jours-ci, faut rester à l'affût des glitches, parce qu'ils sont excellents, ces glitches. C'est comme si c'était Tuto Facile France qui nous sortait les glitches. Donc, grosse dédicace à World Fitness Gamer, c'est un YouTuber qui nous a sorti tout ça. Voilà. Donc, c'est un Allemand, une tuerie. Il est excellent. Donc c'est un after patch de son propre glitch. Je compte sur vous pour faire des likes, pour partager et vous abonner. Et hashtag Fouedi134. Voilà, ça fait toujours plaisir. Comme ça, on sera de plus en plus sur la chaîne. Au moins, on aura une bonne visibilité, ça motive. Ça fait plaisir. Après, vous trouvez des joueurs, vous trouvez des amis de votre âge. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on a rassemblé beaucoup de monde. Voilà, on a fait des grosses équipes. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Franchement, ça motive. Et faudrait que les gagnants aussi, je vais les contacter. Les gagnants du petit concours, donner un véhicule. Je vais en profiter pour vous les donner ce soir. Voilà. Donc là, je la re-explose. Je retourne en mode histoire. Et en revenant, j'aurai juste à aller dans véhicules spéciaux, dans le pavé tactile, véhicule,